Et voilà, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est votre précieux frère James qui vous parle depuis la cité de Lodja, présentement dans la province du Sankourou. Nous rappelons que nous sommes là pour sensibiliser la population sankouroise, pour leur dire c'est quoi l'importance de la convention ministérielle. Alors sans plus tarder, je sais que nous allons recevoir un précieux frère, un révérend que je vois ici bien habillé ici et... Apparemment, c'est un visage un peu étrange. Étrange. Voilà. Inconnu. Ah, shalom, précieux frère. Shalom, 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 le grand journaliste. Voilà. Je rappelle que vous êtes le pasteur Meshach Muyumba. Et vous êtes le responsable de l'église Zoé Tabernacle de Tank, là-bas depuis la province du Lualaba. Là-bas, oui. Alors, est-ce que vous êtes au courant de la manifestation évangélique ou de la convention ministérielle qu'organise l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, le révérend Elie Charles Lopanji à Kondochumbe? C'est pour cela que nous sommes là. On a parcouru une longue distance de pas moins de 3000 km. Pas moins de 3000 km. Oui, de là jusqu'ici, nous sommes arrivés. C'est de quelle cité, de quelle ville comme donc ça? C'est depuis Tinké, la province du Lualaba. C'est maintenant que je sais qu'il y a une ville qui s'appelle Tinké aujourd'hui. Donc maintenant c'est une cité. Une cité. Dans la commune de Fungurume. Voilà. Très bien. Mm-hmm. Donc il y a un peuple là-bas. Mm-hmm. Les enfants de Elie Charles Lopanji. Et nous venons de là et nous sommes là précisément là Non, non, pasteur, dites-moi. De là vous êtes venus oui. Pour faire quoi? Le commerce ou... Ici, nous sommes venus soutenir les œuvres du Père et c'est la convention d'ici là qui va commencer. D'ici le 14 au 16. Nous sommes là, c'est pour la... Vous voyez maintenant la tenue, non? Goel Multimédia. Goel Multimédia. Cela veut dire que nous sommes déjà dans la fièvre de la chose. Et d'ici du 14 au 16, nous allons, les choses vont commencer. Déjà, nous sommes dans la fête déjà. Vous êtes déjà dans la fête. Oui, mais pasteur Charles n'est pas Mouswahili. Vous êtes Mouswahili. Depuis Tink là-bas, les Lualaba, ce sont les Swahili qui sont là. Est-ce que vous, y a un intérêt ou après ça, qu'est-ce que vous attendez? Le seul intérêt, c'est l'intérêt du ciel. Que vous parcourez une distance. Que vous avez parcouru une distance de plus ou moins de 3000 km. Évidemment. C'est cette distance-là. Alors, c'est quoi maintenant le message que vous adressez à ceux-là? Le message que nous adressons à ceux-là qui nous suivent et celles qui vont nous suivre, ils doivent nous rejoindre, okay. Qu'ils ne s'attardent jamais, qu'ils viennent. D'ici là, du 14 au 16, il y a une grande convention qui va se tenir dans c'est une localité de Lodja, à Kondochumbe, à Chayon. À Kondochumbe. Oui. Venez nombreux. Okay. Prenez votre avion, prenez le véhicule, quel que soit le lieu, vous allez vous retrouver et le Seigneur va vous bénir. Amenez les malades. Amener les affligés, il y aura une grande manifestation de la puissance du Saint-Esprit avec l'homme de Dieu, Elie Charles Lopanji. Là, nous sommes au cœur de l'Afrique, là où je me tiens là. Cœur de l'Afrique. J'ai ça même l'odeur ici. Oh là là. La terre de Patrice Emery Lumumba. La terre de Patrice Emery Lumumba, c'est là où je me tiens ici. Donc c'est l'évêque Elie Charles Lopanji qui paye pour vous les billets d'avion ou comment? Non, c'est nous-mêmes. Comme c'est pour l'intérêt du royaume, on dit nous allons soutenir les œuvres du Père. Donc vous avez dit à votre église que je pars à Lodja soutenir. L'église a dit allez-y, les billets sont là. Comme c'est pour l'intérêt du royaume, allez-y. Elie Charles n'a pas donné l'argent à quelqu'un, il n'a pas suivi quelqu'un. Non, parce qu'on l'aime, on aime ce qu'il fait, on aime l'esprit qu'il a. C'est pour ça que nous sommes là. Il ne vous paye pas. Il ne paye pas, il va payer qui et pourquoi. C'est pour son intérêt, c'est pour l'intérêt du royaume. Il a un esprit droit, son étoile brille, c'est pour ça que nous sommes là. Depuis quand vous avez découvert cet homme de Dieu? Je l'ai découvert depuis 3 ans, dans une vision. Oh, ne dites pas ça. Je vous dis vrai, dans une vision, Dieu m'a parlé. Et c'est une vision, même lui, je ne lui ai jamais parlé de ça. Okay. C'est dans une vision que je l'ai vu. Si je suis là, c'est à cause de cette vision-là. Et si Dieu ne m'avait pas parlé, je ne serais pas ici. Donc c'est un homme droit. Un homme que Dieu utilise puissamment, qui accompagne puissamment avec les projets et les miracles. Il a un esprit tellement droit. À cause de son amour, et nous sommes là. C'est Dieu qui nous a pointé Elie Charles Lopanji. Et voilà, nos chers participants du Forum Goel Multimédia, vous vivez l'ambiance ici à Lodja, au cœur de l'Afrique, au cœur du monde. Ça chauffe déjà, vous voyez que nous tous, nous sommes dans la fièvre de la convention ministérielle qui sera bientôt là. Ça va commencer à partir du 14 au 16 octobre 2022. Vraiment, nous sommes très contents. Nous continuons avec nos questions. C'est pour la dernière fois, pasteur. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à Lodja? Je suis déjà à Lodja. Non, je me tiens. Avant cette convention. C'est ma première fois d'y être. Je n'ai jamais été à Lodja. Et ça, c'est la deuxième fois que je vois
l'évêque Elisha Lelobandi, la deuxième fois que je parle avec lui. La première fois, c'est quand il était ici dans les tournois de Clan Katanga. Et je n'ai pas eu beaucoup de temps de rester avec lui. Mais je l'ai découvert mieux, c'est ici. Ça, c'est ma première fois de fouler les sols de Lumumba. Et mérite. C'est ma première fois. Joyeux, très joyeux. Je sens la paix ici. Okay. Je sens l'unité. Okay. Je sens l'amour. Et c'est ça même qui nous fait grossir déjà. Ouais, même le temps a changé. Vraiment. Merci beaucoup, c'est le révérend pasteur Meshack Muyumba. Depuis, on est à Lodja qui vient depuis Lualaba.